J'aimerais vous apporter mon témoignage sur un transport d'uranium-235 qui arrive au Havre. Le Havre, comme vous le savez, est un des plus grands ports français. Un chargement à risque, surveillance très particulière, dès la rentrée dans les eaux territoriales françaises. La raison invoquée, la possibilité de détournement de matières fissiles à des fins militaires. Une surveillance couverte par le secret défense. On doit être alerté un certain temps avant. On examine les éléments qu'on a en notre possession pour donner notre accord. Mais évidemment, ça s'applique au territoire français, puisque la sécurité, pour des raisons évidentes, en particulier liées à la confidentialité, sont pour l'instant nationales. Alors, nous sommes donc sur un bateau russe. Cet uranium-235 a été produit en Russie. Les équipes de la COGEMA attendent l'uranium. Ces équipes de la COGEMA nous avaient refusé l'accès au port alors que nous aurions souhaité tout simplement filmer l'arrivée des matières fissiles. Là, c'était beaucoup plus difficile puisque nous étions à bord. Des équipes de spécialistes s'occupent du déchargement des produits fissiles apportés par la COGEMA. Ces échanges commerciaux que l'on peut qualifier de très, très stratégiques ont été actés par l'Union soviétique et le gouvernement de Charles de Gaulle. Nous avons depuis 25 ans un contrat d'enrichissement d'uranium naturel en Russie. Donc nous apportons l'uranium dit enrichi. Depuis, nous avons développé notre propre outil de production. Nous continuons à importer des Américains et des Russes. Mais également nous exportons auprès de tous les pays qui ont des centrales nucléaires. Que peut-il se passer si un conteneur tombe et se brise? Pour la sûreté, c'est le colis qui est agréé. D'accord. N'importe quelle compagnie pourrait transporter ce type de matériaux. Oui, c'est le colis est agréé. Il n'y a pas eu d'accident, il y a eu quelques incidents. Le dernier en date ayant eu lieu au Havre, d'ailleurs les dockers un peu trop pressés ont commis une erreur. Et un fût a été percé. Un fût de quoi? Un fût d'uranium. Un périmètre de sécurité a établi. La brigade d'intervention spécialisée du Havre a été appelée en urgence. On a constaté qu'il n'y avait pas de fuite et on en est resté là. Ces conteneurs résistent à des chutes, pas n'importe quelles. Il peut y avoir des cas où effectivement on peut toujours penser que ça se produit. Et effectivement, il y a effectivement un résistant dans ce cas qui n'est pas radioactif, qui est chimique. Et le fait que le produit transportait l'hexafluorure a la particularité de réagir avec l'humidité ambiante et dans ce cas-là, ça se décompose. On a un oxyde d'uranium, et côté de la densité d'uranium reste sur place, hein, ça ne se transporte pas, c'est lourd, donc ça reste sur place. Et un gaz d'acide fluorhydrique qui, lui, est un toxique chimique, donc qui fait un nuage plus ou moins important. La quantité finalement qu'on transporte a été faite de manière à limiter effectivement les possibilités d'émission, donc des limitations du risque, c'est le fait qu'individuellement, chaque fût a une quantité relativement limitée de matière. Et donc le nuage correspondant aurait, effectivement il faut faire attention, mais ça serait limité. En général, donc limité sur les sur la, là, là où ça se trouve. Ces équipages russes sont-ils formés à ce transport à haut risque? Je m'appelle Karbanov Eugenia.
J'ai 29 ans et je suis médecin. Ma tâche, c'est la surveillance médicale de l'équipage et la surveillance des charges radioactives. Quel que soit le problème qui peut survenir, y compris un conteneur qui se brise pendant la tempête ou une fuite, on assure la sécurité en premier lieu de l'équipage et ensuite de la cargaison. Et si la cargaison se trouve sur le pont, il est prévu de la jeter par-dessus bord. S'il y a un danger pour la vie humaine. Если существует опасность для жизни человека. Y compris pour l'uranium enrichi? Да, если возникает опасность, s'il y a un danger d'incendie ou un quelconque danger pour la vie humaine, on peut, selon la consigne, se débarrasser de la cargaison. То от груза, значит, по инструкции можно избавиться. La cargaison se trouve toujours dans la soute ou elle est parfois sur le pont? Ça peut être sur le pont. C'est pas un équipage français, je ne peux pas vous, je ne réponds pas de la qualité des équipages russes, si vous voulez. Je trouve ça aberrant, c'est tout. Voilà ce que je vous réponds. Je trouve ça aberrant. Et si je sais que c'est comme ça, alors là, ce genre de navire, j'aime mieux vous dire qu'on va aller inspecter et vérifier la qualification des équipages. Alors, parce que c'est complètement aberrant d'avoir des déclarations comme ça. Maintenant, on ne peut pas empêcher non plus qu'il y ait des individus bizarres à n'importe quel endroit que ce soit, mais c'est tout à fait hors norme. Quoi. Une déclaration comme ça me sidère, je dirais. Ça serait pas dramatique, hein. C'est pas... quantité correspondante par conteneur sont assez limitées et ça se diluerait dans l'eau de mer qui, soit dit en passant, est le plus gros gisement d'uranium naturel du monde. Il y a beaucoup d'uranium dans l'eau de mer. Les producteurs russes d'uranium enrichi fonctionnent dans le cadre d'une économie de transition où les contraintes de l'économie occidentale ne s'appliquent pas, ce qui leur permet de proposer leur production à des prix sans rapport avec leurs coûts. Mais les problèmes de sécurité demeurent, bien qu'il n'y ait jamais eu aucun incident dans les usines d'enrichissement de l'uranium, contrairement aux centrales nucléaires qui représentent un danger constant. En ce qui nous concerne, nous ne voyons pas de raison de mettre en cause au nom de la sécurité ce type de courant. Bien au contraire, le flux d'affaires qui est ainsi fait permet à nos partenaires russes de maintenir l'état de sûreté de leurs installations. Bon, bah écoutez, j'espère que vous avez aimé ce récit. Partagez-le et abonnez-vous. Au revoir, à bientôt.